Il y a 35 siècles, la plus mystérieuse reine de l'Antiquité règne sur l'Égypte avec son époux, le grand pharaon Akhenaton. La sublime Néfertiti, belle d'entre les belles, comme on la nomme à l'époque. Et c'est ici, au musée d'égyptologie de Berlin, mais aussi en Égypte, son royaume, que nous allons partir à sa rencontre pour tenter de lever les mystères sur sa personnalité hors du commun et sur son règne, celui d'une révolution spirituelle inouïe qui nous a livré tant de chefs-d'œuvre. À commencer par ce buste exceptionnel qui serait celui de la grande souveraine. Est-ce vraiment son visage ? Ou la représentation élogieuse d'une nouvelle déesse que l'on adore. Qui est-elle au juste? A-t-elle autant de pouvoir que ses représentations le laissent penser? L'amour de son époux, le grand pharaon, est-il aussi sincère que l'on voulait le faire croire? Répondre à ces questions, c'est déjà s'intéresser à l'influence de ses prédécesseurs sur le trône. Des souverains conquérants et bâtisseurs qui façonnent un royaume faste et prospère comme l'Égypte n'en a jamais connu auparavant. À commencer par le pharaon Amenhotep III, beau-père de Néfertiti, et Ti, sa redoutable belle-mère. C'est comprendre l'Égypte antique et ses nombreux dieux, le principal, Amon, dont le temple de Karnak et de Louxor célèbre la puissance. Mais aussi Aton, le nouveau, choisi exclusivement par la souveraine et le pharaon. Un premier monothéisme, une révolution. C'est bien sûr aussi vivre l'incroyable aventure d'une nouvelle capitale, telle El Amarna sortie des sables et décidée par Néfertiti et son époux. Partager avec eux leur quotidien, mais aussi celui de leur peuple, les loisirs, les repas, le statut si moderne des femmes de l'époque. C'est enfin se plonger dans les croyances toujours aussi fascinantes de l'au-delà. Grâce aux nécropoles de la Vallée des Rois et aux momies à ce jour découvertes, mais qu'est-il arrivé à celles de Néfertiti et d'Akhenaton? Bien des mystères subsistent encore, avec de jour en jour de nombreuses révélations. Ce qui est certain, c'est que cette première tentative monothéiste de l'humanité n'a pas fini de nous fasciner, comme le sourire si noble et serein du buste de celle qui reste pour nous à jamais la belle d'entre les belles. Nous sommes le 6 décembre 1912. Depuis un an, une équipe allemande d'égyptologues, menée par Ludwig Borchardt, fouille les vestiges d'une cité perdue, à 350 km du Caire, en plein cœur de l'Égypte. L'ancienne capitale du pharaon Akhenaton et de son épouse, Néfertiti. Il découvre une riche demeure, la villa luxueuse où vivait le sculpteur en chef Toutmosis, qui était chargé par le couple royal de réaliser ses images officielles. Cette équipe va pénétrer dans un lieu complètement mystérieux qu'on ne connaît pas encore et qui est l'atelier de ce fameux Toutmosis. Il faut imaginer l'émotion de ces archéologues allemands. Ils vont découvrir un buste. Le buste était enfoui dans le sable et Ludwig Borchardt va le dégager au fur et à mesure. La stupéfaction, enchantement absolu, il représente une femme d'une beauté stupéfiante. Enfin, les hommes qui sont présents sont dans un état d'émotion intense. Ludwig Borchardt s'est tout de suite rendu compte qu'il était face à une découverte exceptionnelle en raison de l'état de conservation. Ce buste de calcaire et de stuc, aux couleurs à peine passées, modelé par le grand sculpteur de la famille royale, Toutmosis, et photographié par l'équipe de fouilles fascinée. Il est extrêmement vibrant, vivant. On a l'impression d'avoir la reine en face de soi. C'est une découverte fabuleuse. Ce buste serait celui de la plus sublime reine d'Égypte, la très mystérieuse Néfertiti.
avant la découverte du buste, le nom de Néfertiti était connu des égyptologues, des historiens, vraiment des spécialistes. Mais c'est vraiment cette œuvre tout à fait extraordinaire qui va rendre Néfertiti universellement connue. Hein. Néfertiti devient une sorte d'icône. Nouvelle icône révélée au grand jour, ce visage sorti des sables permet enfin de visualiser le physique hors du commun de la reine et ses origines. On découvre quelque chose qui a l'air extrêmement vivant. Ce buste est très précis. Thoutmôsis, le sculpteur, a voulu le rendre le plus réaliste possible. Quand on le regarde de près, on voit qu'il a travaillé le modelé du visage. Elle a aussi les yeux maquillés, cerclés de maquillage noir, du kohl noir. Les sourcils également ont été redessinés. Un seul œil a été incrusté de cristal de roche, l'autre œil n'a jamais été posé. D'habitude, dans l'art, il y a toujours des conventions. Souvent, on représente les femmes avec la peau plus claire que les hommes, généralement tirant sur des teintes de jaune, alors que les hommes sont représentés avec des teintes de rouge. Or, là, on a une Néfertiti dont la peau est teinte avec de l'ocre. Et on a vraiment le sentiment que on a voulu se rapprocher au maximum de la carnation naturelle de sa peau. Elle devait avoir une peau cuivrée, bronzée. C'est une beauté égyptienne, une beauté très, très africaine. Elle a le teint mat. Sa coiffe toute particulière renseigne, elle, sur l'étendue de ce qui avait dû être son pouvoir il y a plus de 3500 ans. Une coiffe qui est assez inhabituelle pour les femmes, puisqu'elles portent en réalité une couronne qui est un attribut pharaonique, qui est une coiffe assez haute, bleue, et décorée d'un uraeus. Uraeus en égyptien, ou Yaret, c'est une divinité féminine. C'est à la fois la fille et l'œil du grand dieu du soleil, qui a pour fonction ici de protéger le front de la reine. Si le port tout aristocratique et la finesse du buste ne cessent de subjuguer depuis sa découverte, la perfection des traits, si rare dans la réalité, jette un doute sur la représentation fidèle de ce qui aurait été le visage de la reine. On s'est amusé à mesurer le buste, évidemment, et on a constaté que chaque portion du visage était remarquablement équilibrée. Si l'on regarde l'emplacement des yeux, l'emplacement du nez, la symétrie du visage, qui est très très rare dans un visage réel, c'est un portrait parfait. Tout ceci correspond à des canons de beauté et d'idéal pour les anciens Égyptiens. Alors ça ne veut pas dire que Néfertiti n'avait pas des traits qui correspondaient globalement à cette représentation, à ce buste, mais elle est quand même fortement idéalisée. En quelque sorte, le sculpteur Thoutmôsis, c'est le Photoshop de l'Antiquité. Il a rendu Néfertiti parfaite. Même idéalisée, la beauté de Néfertiti reste inégalable. De cette reine puissante à l'égal d'un roi, on ne sait presque rien. Mieux la découvrir, c'est déjà s'intéresser au couple royal qu'elle forme avec son époux, le grand Amenhotep IV, futur Akhenaton. Le plus incroyable des pharaons que l'Antiquité ait jamais connu. Néfertiti apparaît pour la première fois dans nos sources au moment de son mariage avec le jeune Amenhotep IV. On est à la fin de l'an 3 ou au début de l'an 4 du règne de son époux. Ils ont entre 13 et 14 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment d'adolescence comme on l'entend aujourd'hui. On passe directement de l'enfance à l'âge adulte. Les filles sont mariées dès leurs premières règles, voire même parfois avant. Et donc, on a vraiment affaire à un très très jeune couple. Et on peut imaginer que cette proximité au niveau de l'âge a contribué à créer une certaine complicité, une tendresse entre eux. C'est à cette même époque que le nom de Néfertiti apparaît pour la première fois sur un linteau du temple de Karnak, aujourd'hui exposé au musée du Louvre. Une présentation officielle, en quelque sorte, décidée par le souverain, tout juste marié. La reine Néfertiti a son nom ici inscrit dans un cartouche. Le cartouche, c'est cet ovale qui contient les noms royaux. Néfertiti signifie « la belle est venue ». On ignore si c'est son nom de naissance ou si c'est un nom qui lui a été attribué lors de son avènement.
et à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il a défini. C'est le nom dans le cartouche précédé de l'épithète qui est très importante, Hemet Nesut Uret, en égyptien, qui signifie la grande épouse du roi ou grande épouse royale. Néfertiti, c'est de toute évidence un nom qui est en relation avec la déesse Hathor, une déesse égyptienne traditionnelle, souvent représentée sous la forme d'une vache, parce que la vache symbolise la féminité, la fécondité, la fertilité, des choses extrêmement positives pour les Égyptiens. Et Néfertiti va d'ailleurs jouer aux côtés du pharaon ce rôle, une sorte d'excitant féminin pour son époux. Native d'Égypte, la belle d'entre les belles ferait partie de la même famille que celle du pharaon. De toute évidence, Amenhotep IV et Néfertiti sont cousins. C'est ce qui paraît le plus vraisemblable. Néfertiti est sans doute la fille de Haï, un personnage très important à la cour, qui est lui-même vraisemblablement le frère de la reine Tiyi, épouse d'Amenhotep III et mère d'Amenhotep IV. Son père, Haï, est un haut officier de cavalerie, certainement, et un grand dignitaire de la cour, et leurs familles sont très proches. Il est naturel de se marier entre soi chez les pharaons, on garde le pouvoir en famille, et l'inceste est quelque chose d'extrêmement banal. Pour les pharaons, le pouvoir a quelque chose de quasiment divin. S'ils sont pharaons, c'est parce que les dieux l'ont voulu. Donc il n'est pas question d'aller se mélanger à tout un tas d'autres personnes qui pourraient revendiquer le pouvoir. Donc pour cela, on va aller épouser les seules personnes qui soient dignes de vous, c'est-à-dire ses sœurs, éventuellement ses cousines. On voit même qu'il est assez fréquent d'épouser ses filles lorsque l'on a perdu ses épouses. À peine sur le trône, une première représentation montre déjà la nouvelle reine telle que les Égyptiens imaginent les divinités. Une figuration qui n'a malheureusement pas survécu au passage des siècles. Alors ici, nous sommes dans la tombe d'un des personnages les plus importants du royaume, le vizir Ramosé, et on a une représentation exceptionnelle puisqu'on a la première figuration de la reine Néfertiti. Là, on a une représentation très intéressante où on voit ce jeune couple hein, lors d'une apparition, comme ça se faisait à l'époque, du haut du balcon du palais royal. Il y a d'abord le jeune pharaon et en deuxième position, derrière le pharaon, celle qui est, en gros, on pourrait dire le numéro 2 à la tête de l'État pharaonique, la reine Néfertiti. Être pharaon et reine d'Égypte, c'est dans l'Antiquité être considéré comme des dieux sur terre, des divinités incarnées que l'on ne cesse d'adorer. Le roi agit comme un dieu sur terre. C'est le seul être humain qui est habilité à interagir avec le divin. Le roi même se confond avec le dieu Horus. Horus est le dernier représentant de la dynastie divine qui est censé avoir régné sur la terre avant les pharaons. Le pharaon est l'incarnation d'Horus sur la terre. Le roi doit présenter des offrandes aux dieux, il doit construire des temples, il doit également, et c'est là où ça touche un petit peu le domaine militaire et politique, agrandir les frontières de l'Égypte, et s'il ne fait pas cela, il peut être considéré comme un mauvais roi. Mais a priori, un roi est inspiré par la divinité, donc il est jugé en quelque sorte comme infaillible. Mais en même temps, les pharaons ont été régulièrement assassinés, ce qui montre que les Égyptiens étaient parfaitement conscients qu'ils sont mortels et qu'ils sont des êtres humains. Néfertiti et son époux, selon la tradition, doivent être remarqués de loin. Comme tous les rois et reines d'Égypte, ils arborent des attributs caractéristiques à leur statut divin. Les couronnes pharaoniques sont tout à fait extraordinaires. C'est des couronnes qui devaient faire 40-50 cm de haut, qui prolongeaient la tête du roi et de la reine, hein, symboliquement en direction du ciel, justement, pour mettre en relation ce pharaon et cette reine avec les dieux. Il va également porter, lors des cérémonies, d'autres attributs, tels que la barbe postiche, qui imite la barbe d'Osiris. Il
porte également le sceptre crochu, le sceptre Heka en égyptien, qui est une sorte de hiéroglyphe qui signifie « gouverner », et le flagellum qui renvoie également à son autorité souveraine. Quant à la reine, elle peut avoir une sorte de fouet chasse-mouche, symbole de son autorité. Incarnation des dieux, il est souvent difficile d'approcher librement la reine et le roi, même lors d'audiences privées. Tout le monde se courbe en leur présence, tout le monde se courbe. Certains vont jusqu'à se coucher sur le sol. On ne peut pas baiser les pieds du pharaon, parce que comme c'est un dieu incarné, ce n'est pas possible, mais on baise le sol. La civilisation égyptienne repose sur un mot qui est le mot de hiérarchie. Au sommet de cette hiérarchie, à la tête d'un immense territoire, le pharaon gouverne. Il est entouré d'une foule de hauts fonctionnaires chapeautés par le premier ministre de l'époque, un vizir. Tous forment une catégorie de privilégiés, celle de dignitaires aux charges quasi héréditaires. En bas de la pyramide sociale, loin des yeux du pharaon et de la reine, vivent les paysans. Le scribe, quant à lui, privilégié d'entre les privilégiés, jouit d'un pouvoir et d'un prestige exceptionnels. On a tous en tête l'image du scribe assis en tailleur, tenant devant lui des papyrus et un calame. L'Égypte ancienne est une société extrêmement bureaucratique. On écrit tout, on note tout. Par exemple, enregistrer des transferts de propriété, des héritages, des legs. Les scribes sont indispensables, ils sont partout dans la société égyptienne et ils assurent son bon fonctionnement. Au moment où Néfertiti et son époux Amenhotep IV, futur Akhenaton, accèdent au pouvoir, l'Égypte n'a jamais été aussi riche et fastueuse. Nous sommes au Nouvel Empire, 1300 ans après la construction des pyramides, 1300 ans avant le règne de Cléopâtre. On est à une époque où l'Égypte a vraiment un empire qui va de la Nubie, dans le Soudan actuel, jusqu'à la frontière syro-turque, c'est-à-dire une zone de contrôle immense. Donc l'Égypte domine vraiment le monde. C'est un pays extrêmement prospère, qui tire beaucoup de richesses du Nil, évidemment, de ses mines aussi, et de toutes les conquêtes qu'il a pu mener du côté de la rive orientale de la Méditerranée. Neuf générations de pharaons se sont succédées avant Néfertiti, tous issus de ce nouvel empire. Certains laissent une trace exceptionnelle et des monuments toujours visibles lorsque la belle des belles devient reine. Comme l'Égypte conserve en quelque sorte la mémoire des anciens pharaons, les grands ancêtres veillent sur les nouveaux souverains comme des figures tutélaires avec lesquelles, bien sûr, il va falloir compter. Il y a eu de grandes figures de l'Égypte ancienne qui sont restées dans les mémoires. Le roi Thoutmôsis III, qui a régné à la fois très longtemps et qui a énormément élargi le domaine d'influence de l'Égypte. Et puis, on a aussi des femmes remarquables. Au début du règne de Thoutmôsis III, on a la reine Hatshepsout. Hatshepsout a été capable, elle, femme, de monter sur le trône et de s'y maintenir. C'est certainement un exemple que la très jeune Néfertiti peut méditer, puisque c'est une pharaone. C'est un couple de lumières, jeunes, beaux et charismatiques, qui dirigent maintenant l'Égypte. Ils sont les héritiers du royaume le plus prospère et emblématique de toute l'histoire égyptienne. Regardez ces merveilles exposées au musée de Berlin. Les visages de Néfertiti et de son époux Amenhotep IV. On ne sait pas si ces têtes étaient à l'origine des statues, ni surtout si elles étaient faites pour être l'une près de l'autre. Mais regardez, quel symbole! Observez la finesse des traits de la reine, son expression. Il s'agit sans doute des réelles proportions de son visage. Cette déesse sur terre ne devait pas être très grande. Les Égyptiens de l'époque étaient beaucoup plus petits, en moyenne 1,60 m. Ces deux représentations du roi et de la reine ont été retrouvées dans le même atelier que celui du buste si connu de la Belle des Belles.
À ce propos, laissez-moi vous présenter une curiosité. Le carnet de bord de Ludwig Borchardt, l'archéologue allemand à l'origine de toutes ces découvertes. Ce journal, il l'a tenu durant toute sa campagne de fouilles en 1912, une tradition pour tout égyptologue qui se respecte et qui se poursuit encore de nos jours. Comme on peut le constater, Borchardt y note toutes ses impressions du jour, une mine de renseignements pour tous les historiens d'aujourd'hui. Et à la date du 6 décembre, jour heureux de la découverte du sublime buste de Néfertiti, on peut y lire en allemand des couleurs, un travail extraordinaire. Il ne sert à rien de la décrire, il faut juste la regarder. Pour la première fois, l'archéologue n'a pas pu trouver les mots pour détailler sa trouvaille. Il est totalement subjugué et tente, comme il peut, de la dessiner ici, dans un coin. Un autre trésor se trouve ici à Berlin. Un visage d'une finesse inouïe, d'une réalité à couper le souffle. Celui de la belle-mère de Néfertiti, la reine Tille. On est tout de suite surpris par la couleur de ce visage plus foncé que celui de sa belle-fille. Tille n'est pourtant pas originaire du sud de l'Égypte, ni même noire. C'est le bois qui, avec le temps, s'est considérablement patiné, nous laissant cette impression. Impossible aussi de ne pas remarquer l'air revêche et pas très commode de cette reine, peut-être celui si typique et reconnaissable d'une belle-mère. Ce qui est sûr, c'est que la grande reine Tille a considérablement marqué le jeune pharaon et la sublime Néfertiti, au point de jouer sans doute un rôle non négligeable dans l'enfance, mais aussi lors des premières années de règne de ce nouveau couple solaire au pouvoir. La reine Tille est un modèle pour Néfertiti. Alors, c'est une reine qui s'est mariée très très jeune, comme c'était courant d'ailleurs à l'époque, elle devait avoir 8-9 ans au moment où elle a épousé le pharaon Amenhotep III, qui avait à peu près d'ailleurs le même âge. Elle n'était pas issue, à proprement parler, de la famille royale. On peut dire que c'est une roturière. Tilly est la grande épouse royale. Cela signifie qu'elle a la fonction de reine. C'est la première épouse. Amenhotep III a différentes femmes, mais elle s'est démarquée des autres. C'est la plus proche du roi et c'est celle qui est présentée au peuple comme étant la reine. On sait par la correspondance diplomatique de l'époque d'Amenhotep III que la reine Tilly a pu jouer un rôle diplomatique, un rôle politique, puisqu'elle était en contact avec d'autres souverains, partenaire du roi d'Égypte. Une influence à la cour royale et auprès de son mari qui semble au fil du règne prendre une importance considérable. L'un des plus beaux témoignages se trouve au musée du Caire avec ses deux statues colossales de 7 mètres qui dominent l'atrium. Une présentation du couple royal voulue spectaculaire par le pharaon. Ce qui est vraiment capital ici, c'est que la reine Tille est figurée de la même taille que son épouse, qui est vraiment exceptionnelle. Auparavant, cela n'arrive jamais, la reine est toujours représentée plus petite. Là, ça met vraiment en avant son rôle capital à la cour royale et auprès de son mari Amenhotep III. Cet ascendant sur le roi frappe très tôt la jeune Néfertiti. Comme certainement aussi la personnalité esthète et épicurienne du pharaon. Amenhotep III est un souverain qui entend faire prospérer un royaume déjà au sommet de sa gloire. Il faut imaginer qu'il a vécu à l'époque où les frontières égyptiennes étaient à leur maximum. Donc l'empire était gigantesque et il a cultivé ses liens diplomatiques avec les peuples voisins en épousant des princesses venant d'autres royaumes. Donc il a constitué de cette manière un gigantesque harem. Il a des centaines, voire 1000 femmes dans son harem. Donc, il est souvent représenté, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément faux, comme une sorte de collectionneur de femmes passant son temps dans son harem. Un harem qui n'a pas forcément qu'une vocation sexuelle. C'est une sorte de club privé du pharaon où le pharaon va s'amuser. Je pense que c'est un homme extraordinairement intelligent qui, très tôt,
a fait le lien entre la beauté et la divinité. C'est-à-dire que louer les dieux, c'est passer justement par un esthétisme extraordinaire, c'est confier en quelque sorte au langage divin les éléments, les matériaux les plus précieux. Étant donné les richesses dont il dispose, Amenhotep III va pouvoir se lancer dans des programmes de construction véritablement pharaoniques. Il va modifier le paysage monumental de l'Égypte ancienne en construisant des temples comme on n'en a encore jamais vu. Le pharaon mène un vaste programme de construction qui voit émerger des temples dédiés à de nombreuses divinités dans toute la vallée du Nil. À Thèbes, sa capitale, il ordonne même l'édification d'un vaste sanctuaire qu'on appelle aujourd'hui le Temple de Louxor. La cour d'Amenhotep III dans le Temple de Louxor est particulièrement spectaculaire. Il faut imaginer ces colonnes qui soutenaient en fait un plafond et qui formaient un portique qui encadrait la cour de manière majestueuse. Aujourd'hui, l'architecture paraît beaucoup plus aérienne, dans la mesure où les parois qui bordaient le portique ont disparu. Ces colonnes ont la forme de papyrus. Dans la symbolique du temple, les colonnes symbolisaient les végétaux qui sortaient de la terre d'Égypte. Amenhotep III a introduit dans le temple une architecture colossale, grandiose, comme on le voit avec ces colonnes qui mesurent une vingtaine de mètres de hauteur, qui sont écrasantes, et qui étaient l'accès majestueux à cette cour fermée. C'est dans une résidence édifiée à Thèbes par ce roi esthète, le palais de Malkata, que le futur époux de Néfertiti passe une grande partie de son enfance. On sait peu de choses de l'enfance du prince Amenhotep IV. On sait qu'il est un des derniers, sinon le dernier de la fratrie, qui compte 4 sœurs et un grand frère. Il n'était donc pas destiné au trône, il y avait dans l'ordre de succession devant lui un prince du nom de Toutmosis, qui aurait dû être le 5e du nom. Est-ce que ça signifie qu'il aurait bénéficié d'une éducation moins importante? Je ne le pense pas, dans la mesure où la cour égyptienne a les moyens, je dirais, de doter chaque petit prince d'une cohorte de savants, de précepteurs, de gens qui vont veiller sur son éducation. Néfertiti a probablement grandi à la cour pharaonique. Elle devait faire partie de ces femmes qui gravitaient autour du harem. Et comme cet endroit n'était pas clos, il est plus que probable qu'elle ait rencontré Amenhotep IV très jeune. Néfertiti, comme Amenhotep, ne se mêle pas à la vulgaire tourbe, comme on pourrait oser le dire à l'époque, c'est-à-dire aux paysans. Ils ont vécu tous les deux une enfance éminemment protégée. On ne respire pas, ça va jusque-là, hein, le même air. On ne mange pas, bien évidemment, la même nourriture. Tout est fait pour que cette chair divine, en quelque sorte, soit véritablement portée au pinacle. Mais un événement tragique va bouleverser la vie pleine d'insouciance du jeune Amenhotep. Son grand frère, Toutmosis, disparaît subitement. De fait, le jeune Amenhotep IV est propulsé au sommet de la hiérarchie. Il sera pharaon alors que son destin, au départ, ne l'y conduisait pas du tout. Le futur héritier n'a que peu de temps pour se former auprès de son père. Il assiste néanmoins au dernier chantier du roi bâtisseur, celui d'un majestueux temple funéraire le plus vaste que l'Égypte ancienne ait connu. Situé sur la rive ouest du Nil, il a aujourd'hui disparu. Seuls 2 grands colosses en gardent encore l'ancienne entrée. Derrière moi se trouvent les colosses qu'on appelle Memnon, qui représentent en réalité le roi Amenhotep III, assis sur un trône, et gardant l'entrée de la porte du premier pylône du temple. Chaque colosse est un monolithe de 800 tonnes, et une vingtaine de mètres de hauteur. Ce sont les plus grands
actuellement en Égypte. Amenhotep a fait transporter ces colosses sur 700 km entre le Caire et ici, Thèbes, par le Nil. Et c'est à contre-courant, s'il vous plaît. C'est une tâche assez difficile, mais dont ils se sont acquittés à merveille. Un transport hors du commun, qui ne s'est pas limité à ces deux colosses. En 20 ans de fouilles, l'égyptologue Ourig Sourousian a exhumé sur ce site de nombreuses autres statues à l'effigie du pharaon. Deux d'entre elles dévoilent un aspect inattendu du roi. Partout ailleurs, les colosses le représentent avec des traits juvéniles, éternellement jeunes, souriants. Ici, non, le roi a des traits vieillissants. C'est le roi vieux qui a été représenté ici, le roi âgé. On peut s'imaginer que c'est la fin du règne maintenant, donc c'est la fin de la grande aventure de la construction de ce temple gigantesque. Et le roi, avec ses traits vieillissants, marque la fin de ce règne, je dirais. Ce temple funéraire sera sa dernière grande réalisation. Après 38 ans de règne, Amenhotep III s'éteint. Son fils Amenhotep IV, qui accède au trône, va procéder aux funérailles de son père. Et c'est aussi une manière de montrer qu'il est l'héritier légitime du pharaon. Donc c'est lui qui va organiser la procession qui mènera Amenhotep III dans la vallée des rois, puisque c'est là que ce pharaon avait fait aménager son tombeau. On peut envisager l'angoisse qui étreint le cœur de ce jeune prince lorsqu'il devient pharaon. La charge est écrasante. Amenhotep IV est très jeune, il a seulement une douzaine d'années. Évidemment, on ne va pas le laisser complètement seul au pouvoir. Même si son père l'a déjà préparé à prendre sa succession, il reste autour de lui des personnages très forts, comme sa mère, Tiyi, mais aussi Aï, le père de Néfertiti. Pour asseoir son pouvoir, le très jeune pharaon va immédiatement honorer les dieux et s'inscrire dans la pure tradition des rois bâtisseurs. Sur les conseils de sa mère, Tiyi, il commence les travaux dans un lieu hautement symbolique, le temple de Karnak. Une imposante entrée y a été érigée par son père. Pour lui rendre hommage, Amenhotep IV choisit d'y ajouter une avant-porte qu'il fait décorer. Un vestige toujours visible de nos jours. On peut voir derrière moi un relief qu'Amenhotep IV a dédié au dieu Amon au début de son règne, comme c'était l'usage. Le relief représente une scène tout à fait traditionnelle d'abattage symbolique des ennemis, où on voit le roi qui est en train de saisir une grappe de prisonniers par les cheveux et d'appliquer sa massue sur la tête des prisonniers. Amenhotep IV s'inscrit encore tout à fait dans la tradition. Il reprend des thèmes qui existent depuis le début de la royauté égyptienne. Mais au bout de 3 ans de règne, le jeune pharaon n'a toujours pas de grande épouse royale. L'attention se tourne alors vers la nièce de Tiyi, la jeune Néfertiti. Tiyi a une influence tout à fait réelle pour l'union d'Amenhotep avec cette jeune fille dont elle a certainement dû déceler, d'abord bien évidemment, la stupéfiante beauté, mais l'intelligence, la volonté. Néanmoins, il doit être difficile pour elle, dans les premiers temps, de rivaliser avec la puissance charismatique de sa belle-mère. Donc il va lui falloir s'imposer progressivement sur la scène du pouvoir, et elle va le faire en tissant une relation intime très proche avec Amenhotep IV, qui finalement laissera de plus en plus de place à son épouse et relayera sa mère un peu dans les coulisses du harem. Ce mariage marque également un grand tournant dans le règne du jeune pharaon. Car c'est ensemble qu'ils vont choisir de bouleverser les cultes millénaires de tous les dieux d'Égypte.
comprendre l'Égypte antique, c'est comprendre ces dieux, de nombreux dieux, représentés le plus souvent sous forme humaine avec une tête d'animal. Plus ou moins important, ces dieux sont dotés, comme les humains, de caractère, parfois même de sales caractères. Ils aiment, détestent, se jalousent, complotent, se vengent, la vie en somme. Ils peuvent même faire partie d'une famille avec le père, la mère et le fils. À leur service, comme tout souverain divin qui se respecte, ils ont leur personnel, les prêtres. Maîtres d'une ville, ils adorent profiter de luxueux palais, leur temple. En contrepartie, chaque dieu a tout de même quelques obligations. Il protège et accompagne le mortel dans sa vie. La déesse Hathor, conservée au musée du Louvre, que vous voyez ici avec ses oreilles de vache, assure le plaisir, l'amour, la fécondité. C'est la préférée de nombreuses reines d'Égypte. Ne doivent-elles pas, en effet, absolument mettre au monde un héritier? Mais laissez-moi maintenant vous présenter Bès, le plus sympathique des petits génies et pourtant le plus laid. Un charmant petit monstre, regardez, son faciès léonin grimaçant est là pour faire peur et éloigner les moustiques ou le malheur. Sa laideur aussi, on le porte pour être le plus heureux des hommes. Je vous le conseille. Le culte obsessionnel de certains dieux renseigne aussi sur le caractère d'un pharaon. Le beau-père de Néfertiti, Amenhotep III, devait être fort hypochondriaque, si on en juge par le nombre de statues érigées dans le temple de Karnak en l'honneur de Sermet, qui est elle, la patronne des médecins. Une déesse à tête de lionne coléreuse, capable, si elle n'est pas honorée comme il se doit, de vous rendre mortellement malade. L'amadouer, c'est donc éviter le pire. Mais le roi des dieux, au temps de la 18e dynastie, est sans conteste Amon. Coiffé d'une couronne cylindrique et de deux longues plumes de faucon, il montre dans toutes ses représentations l'assurance et la suffisance due à son rang. C'est pourtant à lui et à ses prêtres que Néfertiti et son époux vont s'attaquer dès les premières années à la tête du royaume. Un bouleversement de croyances inédit, presque une révolution. En l'an 7 du règne de la belle Néfertiti et d'Amenhotep IV, l'Égypte traverse une crise sans précédent. Le pharaon vient de renier la divinité principale de son empire. Il fait détruire les statues d'Amon. Ça signifie qu'on veut éradiquer complètement l'existence d'un dieu. C'est une persécution symbolique contre Amon, contre le nom d'Amon. Le but pour lui est réellement de faire table rase du passé et d'imposer une nouvelle vision religieuse. Mais que s'est-il passé pour que le couple royal décide de rompre avec les traditions ancestrales du pays? Des croyances millénaires, avec un nombre impressionnant de divinités préservant l'Égypte du chaos. Un panthéon dominé par un dieu surpuissant, le mystérieux Amon. Le dieu Amon, depuis le Moyen Empire, est le dieu qui protège la royauté. C'est lui qui a la charge de désigner le roi légitime. Il va donc être favorisé par chaque pharaon. Son nom veut dire « le caché », parce que Amon est un dieu qui est caché dans le ciel. Son corps est souvent représenté en bleu, parce qu'il se confond avec le ciel. Mais il peut aussi venir résider à l'intérieur de sa statue de culte, hein, qui est une véritable idole dans ce sens-là. C'est pas simplement une représentation, une œuvre d'art. On pense qu'il y a vraiment la puissance divine qui peut s'installer à l'intérieur. Implorer les bonnes grâces de la divinité est un privilège réservé au pharaon. Mais pour assurer le culte quotidien dans tous les temples du royaume, le souverain délègue cette tâche aux prêtres. Sur la rive ouest de Louxor, la reine pharaon, Hatshepsut, l'illustre ancêtre d'Amenhotep IV et de Néfertiti, a édifié un temple funéraire consacré au dieu Amon. Il conserve encore aujourd'hui toutes les caractéristiques des sanctuaires de l'époque.
La cour du temple d'Hatshepsut, où nous nous trouvons à l'heure actuelle, était, comme le reste du monument, inaccessible au public. Les temples égyptiens n'étaient pas faits pour recevoir des fidèles, comme une église ou une mosquée. Il y avait un autre but dans ces temples, qui était d'entretenir la statue divine. L'idole qu'on adore est précieusement conservée dans le Saint des Saints, au fond de cette cour. Par ce portique, les prêtres accèdent à la dernière pièce, bâtie dans un style particulièrement codifié. On voit comment est conçue l'architecture, où le sol s'élève vers le sanctuaire, le plafond s'abaisse, et on arrive ainsi au point de contact entre la terre où vivent les hommes et le ciel où résident les dieux. Ce point de contact, c'est l'horizon où se trouve la chapelle du dieu Amon, qui contient la statue divine. Le sanctuaire a aussi la particularité d'être plongé dans l'obscurité totale pour protéger le dieu des forces maléfiques. Un lieu mystérieux où seul le pharaon ou son représentant, le grand prêtre, peuvent accéder pour s'adresser à la divinité. Le sanctuaire est décoré de reliefs peints qui montrent une scène d'offrande. Le roi est agenouillé avec deux vases de vin dans les mains qu'il est en train de présenter au dieu Amon. Donc c'est un des éléments qui illustre en fait ce culte quotidien qui était rendu à la statue du dieu. Tous les matins à l'aube, le grand prêtre va frapper aux portes de cette petite chapelle pour réveiller le dieu Amon, faire redescendre son esprit qui est au ciel pendant la nuit. Une fois que le dieu est réveillé, il ouvre les portes et il va opérer la toilette de la statue. La statue va recevoir un petit déjeuner le matin, va être habillée, va recevoir des onguents et des cosmétiques, exactement comme le corps d'un véritable individu. On organise aussi des divertissements pour le dieu. C'est le rôle des prêtresses. Elles chantent, elles dansent. Elles ont même un contact, semble-t-il, avec l'idole du dieu pour l'exciter, pour qu'il ne perde pas sa vitalité, sa toute-puissance, puisque c'est un grand dieu créateur. Il faut entretenir en même temps cette puissance divine, d'où le rôle des prêtresses, qui sont les épouses d'Amon. Avec toutes ces attentions particulières accordées au dieu Amon, le clergé va lui aussi, au fil du temps, renforcer son pouvoir. Le temple de Karnak est le principal sanctuaire de la divinité. Il devient alors un véritable état dans l'état, administré par le grand prêtre. Le grand prêtre est aussi une sorte de grand patron, de PDG. Il gère des activités extrêmement diverses et très, très matérielles. Il y a notamment des territoires qui sont exploités par le clergé avec des ressources agricoles extrêmement importantes. Il y a aussi des ateliers d'artisanat, il y a des brasseries, des boulangeries. On peut même louer des chanteuses, des musiciennes pour les banquets. On peut louer des pleureuses pour les enterrements. Et dans certains temples, il y aurait même eu des prostituées. Donc tous les moyens sont bons pour le clergé, pour accroître sa richesse. Ces prêtres, qui ont des moyens vertigineux, font finalement ce qu'ils veulent. C'est un contre-pouvoir excessivement important avec lequel les pharaons auront l'obligation de compter durant la totalité de leur règne. Cette puissance du clergé d'Amon est à son zénith au début du règne d'Amenhotep IV. Elle serait même susceptible de pouvoir le renverser. Il semble que sa légitimité ait été remise en question et qu'il ait décidé de se placer sous la protection d'une divinité dont il a le seul accès, dont il est le seul porte-parole, et qu'ainsi, sa légitimité en tant que souverain ne puisse plus être remise en question. La guerre contre le clergé de Thèbes est déclarée. Amon, dieu surpuissant, est écarté par le couple royal au profit d'une ancienne divinité remise au goût du jour, une divinité associée cette fois non plus au mystère, mais à la lumière et à la vie, Aton.
Le nom d'Aton est déjà connu, hein, c'est un terme égyptien, c'est un nom commun qui désigne le disque solaire tel qu'il apparaît à l'horizon dans le ciel. Ce fameux disque solaire, qui est en Égypte une évidence absolue, comment en effet dans un pays pareil ignorer le soleil ? Il est à la fois capable de faire croître les récoltes, mais de les brûler également. Il est donc principe de vie et de mort. Eh bien, ce disque solaire va devenir véritablement une obsession pour le jeune pharaon. Il va placer Aton au centre de son propre cœur. Un changement radical pour toute la population égyptienne. Dans la vallée des nobles, Ramosé, le vizir du roi, a fait décorer sa tombe au fur et à mesure de sa vie. Des murs qui présentent des décorations exceptionnelles. Un témoignage rare de la transition entre les deux croyances. Sur cette scène à gauche du passage, on peut voir en fait une représentation d'Amenhotep IV, encore figurée de manière traditionnelle, assis, portant vraiment tous les insignes de la royauté, et juste derrière lui, également assis sur un trône, la déesse Maat, qui appartient vraiment au panthéon des dieux égyptiens polythéistes et qui va être figurée avec une plume sur sa tête. Et lorsque les croyances changent, le haut dignitaire adopte lui aussi la nouvelle foi du couple royal. Dans la partie droite du passage, on voit une scène qui va devenir vraiment traditionnelle pour la période d'Amenhotep IV, c'est-à-dire le dieu Aton en train de répandre ses rayons bienveillants sur le couple royal Amenhotep IV et Néfertiti. Contrairement aux autres divinités, le dieu Aton ne s'incarne pas soit comme un homme ou un animal, il prend la forme abstraite du disque, et le seul élément qui rappelle encore l'homme, ce sont les mains, et ces mains tendent le souffle de la vie, et après c'est le roi qui se chargera de redistribuer la vie aux êtres humains. Néfertiti a réellement adhéré au culte d'Aton. On la voit extrêmement impliquée dans toutes les cérémonies. D'ailleurs, elle-même a une place prépondérante dans ce culte. Elle accompagne toujours son mari dans toutes les représentations que l'on a d'eux lors d'offices religieux. Ces nouveaux reliefs nous dévoilent aussi un autre aspect de cette réforme. À présent, la sublime Néfertiti et le jeune Amenhotep IV ne sont plus uniquement les représentants du dieu, mais sa véritable incarnation sur terre. Tu me vois, tu vois Aton. Tu me pries, tu pries Aton. Je suis moi, Amenhotep, et moi, Néfertiti, seul capable, à toi l'Égyptien, de te donner ce que tu veux. Je suis en quelque sorte l'incarnation divine qui permet à l'Égypte simplement de vivre. En devenant eux-mêmes des dieux, plus personne n'est en mesure de contester leur ordre ou leur autorité. Ils sont littéralement au-dessus de tous les êtres humains. Une fois leur nouveau statut déclaré, le couple royal décide de créer un lieu inédit pour honorer leur divinité. C'est aux portes du Saint des Saints d'Amon, le temple de Karnak, qu'ils choisissent d'édifier ce sanctuaire. Sous les yeux d'un clergé impuissant, Néfertiti et Amenhotep IV révolutionnent encore une fois toutes les traditions. Désormais, les temples d'Aton sont formés d'une succession de cours à ciel ouvert. Donc ce sont des salles qui vont se succéder avec quantité d'autels. C'est un bouleversement complet de l'architecture dans l'histoire de l'Égypte. Pour rendre évidente au peuple sa toute nouvelle dévotion, le pharaon décide également de changer de nom. Un acte exceptionnel dans l'histoire égyptienne. Le nom d'Amenhotep IV signifie « Amon est en paix ». Donc, il était absolument illogique qu'il continue à porter ce nom en contradiction totale avec la nouvelle idéologie. Donc, Amenhotep est remplacé par Akhenaton, ce qui veut dire « il est profitable » ou « il est utile à Aton ».
Donc là, on a clairement l'affirmation, évidemment, de l'importance de ce dieu qui sera le seul protecteur, dès lors, du pharaon. Progressivement, puis de plus en plus rapidement, les anciens dieux traditionnels de l'Égypte vont être en quelque sorte effacés les uns après les autres pour faire place à cette promesse, je dirais, que l'on pourrait déjà qualifier avec prudence de monothéiste, c'est-à-dire l'adoration d'un seul dieu, principe de toute existence. À ce moment-là, on va commencer à proscrire le dieu Amon, c'est-à-dire qu'on va commencer à lancer des équipes à travers toute l'Égypte pour marteler les effigies et les mentions du nom de l'ancienne divinité tutélaire de la royauté égyptienne, le dieu Amon. Une campagne qui n'épargne pas les lieux emblématiques de Thèbes, la capitale religieuse. À commencer par le temple de Louxor, pourtant bâti par le propre père d'Akhénaton. Les cartouches d'Amenhotep III sont effacées. Le nouveau souverain ne veut plus faire référence au dieu maintenant proscrit. Pire encore, il décide de s'attaquer au temple même d'Amon, à Karnak. Des stigmates pour la plupart restaurés depuis, mais dont il subsiste aujourd'hui quelques traces. Akhenaton ne va pas ménager ses efforts pour faire marteler les images d'Amon. Parce qu'on voit par exemple sur cet obélisque, l'image du dieu a été martelée par ses agents. Et c'est la même chose sur l'obélisque au nord de Karnak, où là il a envoyé ses agents à plus de 20 mètres de haut faire marteler les images d'Amon jusqu'au sommet. C'est-à-dire qu'il a éradiqué complètement les images de ce dieu dans son temple de Karnak. Le fait de se séparer du clergé d'Amon, puisque finalement Amon n'est plus une divinité adorée sous le règne d'Akhénaton, c'est une façon de leur dire qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Donc Akhénaton va désormais régner seul. Le couple royal décide même d'aller plus loin. Pour se libérer définitivement d'Amon et de ses prêtres, il choisit de quitter Thèbes et de fonder une nouvelle capitale au bord du Nil, en plein cœur du désert égyptien. Imaginez ce qu'a dû être pour les Égyptiens du Nouvel Empire, habitués à cette multitude de dieux, une telle révolution théologique. Un pharaon accompagné de la plus belle, qui décide soudainement de changer de nom, de changer de capitale, et même de changer d'aspect. Oui, car physiquement aussi, le couple royal souhaite montrer une réelle évolution. L'une des représentations les plus célèbres des souverains est cette stèle. L'observer, c'est comprendre que Néfertiti et son époux cherchent à gommer les différences entre un homme et une femme, entre un roi et une reine. Le couple est ainsi l'un en face de l'autre, à la même hauteur, ce qui prouve une égalité par rapport à tous ces rayons qui les illuminent. La coiffe de la reine permet de la distinguer, mais surprise, c'est elle qui possède le trône le plus précieux, le plus travaillé. Pourquoi ? Son pouvoir est-il aussi important que celui du pharaon qui est assis sur une simple chaise ? Autre détail surprenant, c'est Néfertiti qui symboliquement tient leur fille aînée sur ses genoux, l'héritière, et non le roi. Un signe encore d'une certaine prédominance. Enfin, on s'aperçoit que leurs profils sont volontairement identiques. Même lèvres charnues, même menton proéminent, lui et elle, confondus en une même divinité. Un véritable manifeste. On imagine toujours les villes et les palais antiques égyptiens couleur sable ou pierre, comme on peut les observer aujourd'hui. C'est oublier comme ce peuple aimait la couleur. Chaque mur, chaque sol d'habitation était éblouissant. Et cette mosaïque, vestige d'un des palais de Néfertiti, le prouve. Regardez son thème charmant, un envol de canard. On sent presque la brise du Nil caresser les papyrus. Laissez-moi maintenant vous faire découvrir dans ces réserves du musée de Berlin des trésors qui sont cachés au regard des visiteurs. Ah,
Regardez, sur cette étagère, d'émouvants petits morceaux de faïence trouvés lors des fouilles d'Amarna. De la vaisselle finement peinte d'éléments naturels tels que Néfertiti les aimait, on distingue, ah ben là, regardez, des poissons, des feuillages et même de la vigne. Dans cette nouvelle capitale d'Égypte sortie des sables, on célèbre avant tout l'amour de la vie et la lumière. Un monde enchanté et harmonieux, baigné par les rayons du disque solaire que la reine et le roi ne cessent d'adorer dès le lever du jour. Nous sommes en l'an 5 du règne de Néfertiti et d'Akhenaton. Le pharaon, accompagné de ses hauts dignitaires, cherche en plein désert un nouveau territoire où s'établir. Akhenaton décide de jeter les fondations d'une nouvelle capitale. Il ne peut plus vivre à Thèbes. Il décide d'aller installer sa capitale au cœur de l'Égypte, hein, sur le site d'Amarna, qu'il va baptiser Akhetaton, c'est-à-dire l'horizon d'Aton. Une capitale dont le roi délimite les frontières grâce à des bornes, uniques dans toute l'histoire égyptienne. 14 stèles qui livrent de nombreux détails exceptionnels sur la genèse de cette nouvelle ville voulue par le couple royal. Cette stèle frontière a été taillée à même la roche. Elle est flanquée des deux côtés par des représentations du couple royal. Et la stèle à proprement parler va être gravée de lignes de texte surmontées d'une représentation du dieu Aton qui fait bénéficier ses rayons au couple royal Akhenaton et Néfertiti. Sous ces représentations, dans la roche haute de plusieurs mètres, le pharaon fait graver un véritable décret. Des hiéroglyphes qui révèlent les nouvelles ambitions de la belle Néfertiti et du roi. On a vraiment l'impression que ces inscriptions étaient gravées en haut dans la montagne pour qu'elles soient bien visibles de tous et que le message clairement affiché par Akhenaton et Néfertiti puisse être montré à la population. Dans le décret de fondation que le roi décide d'édifier à cet endroit, il précise qu'il ne prend ce territoire à personne, ni un dieu, ni un humain. Et c'est même l'objectif du roi d'utiliser un territoire vierge pour le dédier entièrement à sa nouvelle divinité, le dieu de la lumière, Aton. Le couple royal s'attelle immédiatement à la tâche et ordonne la construction de nombreux sanctuaires pour honorer leur dieu. Ces quelques vestiges dévoilent l'emplacement d'un des premiers temples dédiés à Aton. Mais les fouilles archéologiques révèlent aussi un projet architectural bien plus vaste sur le site appelé aujourd'hui Tell el-Amarna. Tell el-Amarna, c'est surtout un palais. Le palais et tout ce qui permet à ce palais de fonctionner. Donc c'est beaucoup plus proche de Versailles que de Paris. C'est l'endroit où réside le roi, avec tout ce qui permet l'intendance pour faire vivre un palais. Il faut aménager les résidences des dignitaires, des fonctionnaires, des soldats, des artistes. Donc vraiment, c'est une ville, une capitale importante qu'il faut construire en un temps record. Et ce qui est fascinant, c'est que cette ville est née du désert. En 4 ans, cette ville est capable d'accueillir plus de 20 000 habitants. Dans cette nouvelle capitale, Néfertiti et Akhenaton s'aménage de somptueux palais. Une résidence royale dont on trouve aujourd'hui la trace dans la partie nord de la ville. Des vestiges qui nous laissent deviner le faste des appartements du roi et de la reine. Le site d'Amarna comportait 3 palais différents. Ce palais spécifique aurait peut-être appartenu à la grande épouse royale, Néfertiti. Cette cour devait être organisée autour d'un bassin et de différentes plantations. On devait avoir différents arbres, des palmiers, etc. On avait cette grande colonnade également qui permettait de l'encadrer, ainsi que des appartements privés. On peut imaginer qu'il s'agit d'une sorte de bassin d'agrément, un lieu où on pouvait se reposer à l'abri du soleil du dieu Aton. On peut imaginer le palais de Néfertiti avec des places pour les enfants,
des emplacements pour les serviteurs, des salles de bain, des salles d'apparat de réception, puisque la reine peut recevoir dans son palais. Une vie autonome, loin de son époux. Comme le veut la coutume royale, le couple ne vit pas ensemble. Chacun dispose de son propre palais, une véritable distinction des pouvoirs. Akhenaton avait un palais encore plus au nord, simplement ils sont séparés par 700 mètres de distance. Pour se rejoindre, ils empruntaient la voie royale qui était ensuite utilisée pour effectuer tous les rituels quotidiens et se déplacer le long de la ville d'Amarna. Ça permet toute une mise en scène parce que le roi et la reine font des allers-retours entre ces deux palais. Ça leur permet de se montrer aussi au moins deux fois par jour à leur sujet. On a des représentations d'Akhenaton et de Néfertiti. Chacun est debout sur son propre char, hein, comme des astres suivant le principal axe dans cette nouvelle capitale qui relie les palais. Ces apparitions quotidiennes permettent au peuple de vénérer leur souverain. Le couple royal se fait également représenter sur tous les murs de la ville. On voit sur tous les reliefs des bâtiments publics le pharaon, la reine, qui sont toujours en quelque sorte bénis par ce disque solaire à ton qui se trouve au-dessus d'eux. Des images des souverains qui marque un changement notable dans l'art égyptien. En rupture avec le passé et les représentations toujours identiques des pharaons, Akhenaton et Néfertiti choisissent d'innover. Ils se dessinent pour la postérité un nouveau physique des plus étranges. Son visage est très étonnant, il a des yeux en amande, une bouche charnue, un menton proéminent, une sorte de mâchoire chevaline. Son corps également est un peu déformé, enfin, il a des seins, il a un ventre aussi qui déborde par-dessus sa ceinture. On a là, de toute évidence, des représentations androgynes. Néfertiti va aussi, dans ses représentations, dans sa statuaire, avoir les traits quasiment identiques, jusqu'à ne plus pouvoir d'ailleurs les différencier de son mari. Le but est de faire en sorte que quiconque voit ces reliefs reconnaisse immédiatement la famille pharaonique et puisse reconnaître aussi cette révolution culturelle qu'il est en train d'impulser. Et d'ailleurs, il a très bien réussi puisque encore aujourd'hui, on reconnaît très facilement l'art amarnien. La donne va également changer dans la manière dont Néfertiti se montre finalement au peuple. Néfertiti ne porte plus ce que les anciennes reines d'Égypte portaient. Elle est habillée avec des vêtements de lin très fins qui étaient tissés spécialement pour le roi, donc qui étaient presque transparents, avec des beaux plissés qui mettent en valeur les formes de la souveraine. Une apparence chargée en symbolique que la reine et le pharaon exaltent encore davantage avec des bijoux resplendissants. Comme Pharaon porte le grand pectoral, qui est une des insignes, je dirais, de son règne et de son état, eh bien Néfertiti, pareil, porte les mêmes parures. Donc il faut imaginer des plaques pectorales avec le nom du roi et de la reine, avec les hiéroglyphes faits dans différentes pierres, des petites figurations en lapis-lazuli, avec de la turquoise, de la cornaline, dans un art très délicat. Il était d'usage aussi de porter des bracelets aux poignets, parfois également sur le haut des bras, les boucles d'oreilles aussi, des bagues en or. Donc c'est aussi le travail des orfèvres qui font que ces bijoux sont particulièrement précieux. Ce savoir-faire, vieux de plus de 3000 ans, inspire jusqu'à aujourd'hui les plus grands créateurs. Le joaillier Louis Cartier intègre dans les années 20 cette fascinante iconographie égyptienne dans ses bijoux les plus raffinés. Ici, donc, on voit une broche qui est faite d'un élément égyptien authentique, une représentation d'Isis souriante et qui a été transformée en 1927. En ce très joli bijou, avec quelques contrepoints d'émeraude et de rubis pour mettre en valeur la matière de la représentation d'Isis dans cette broche.
Je pense que la profondeur des symboles que véhicule la culture égyptienne sont toujours là, fascinent toujours autant et se retrouvent dans des créations contemporaines, dans notre langage créatif. Une créativité à son apogée à l'époque d'Akhétaton. Les fouilles des anciennes villas destinées aux nobles permettent de mieux imaginer le luxe inouï et somptueux de cette nouvelle capitale égyptienne. La noblesse égyptienne est arrivée à un degré de sophistication et de raffinement rarement égalé. Il s'agit de célébrer Aton non pas dans le dépouillement, mais au contraire dans la beauté. Et cette beauté se doit d'être manifestée au quotidien. La cour sent bon, la cour est belle, la cour mange des mets infiniment délicats d'une manière quotidienne. Une gastronomie raffinée, dont les tombes peuvent nous fournir de précieux détails. Sur les parois de la tombe de Mena, des scènes d'une rare qualité lèvent le voile sur les us et coutumes culinaires de l'Égypte ancienne. Ce qui est intéressant avec ces peintures, c'est qu'elles nous montrent, par exemple, différents produits, pas tous, mais certains produits qui existaient à l'époque. Le poisson, par exemple, est très abondant dans le Nil. Il y a également des fruits et des légumes, des dattes ou des raisins, des pains, des œufs. On aime beaucoup aussi à l'époque les canards sauvages grillés. Donc ça, c'est un mets tout à fait réputé. Et puis, on boit beaucoup de vin, un vin de grande qualité apparemment, sans doute assez cher parce que le peuple en boit très peu, voire pas du tout. Donc c'est vraiment la boisson des riches. Le peuple est quasiment végétarien, donc il va se nourrir essentiellement de pain et de bière, qui sont la nourriture de base. La viande, elle, est réservée à l'aristocratie et notamment à la famille pharaonique. À Amarna, ces mets sont même pour la première fois glorifiés par la famille royale. En témoigne la représentation d'une princesse dévorant son canard avec joie. Une image anodine qui possède pourtant un message religieux hautement symbolique. Il y a vraiment une volonté de montrer le quotidien des souverains. Et cela fait sens parce qu'ils sont quasiment divins eux-mêmes. Et donc, on les montre dans leur vie exactement comme on aurait montré autrefois les représentations des dieux dans leur quotidien. Jamais auparavant, l'art n'avait été aussi réaliste, aussi familier. Rendre hommage à la vie telle qu'elle est, c'est pour les artistes commandités par le couple royal célébrer son créateur, le dieu unique Aton. Cette représentation de Néfertiti, ici au musée d'égyptologie de Berlin, nous le prouve. La reine semble réellement s'avancer à notre rencontre. L'idéalisation des premières années n'est plus de mise. On remarque sa poitrine un peu tombante, son ventre rebondi. Elle en devient d'autant plus émouvante. C'est une vraie femme qui nous est présentée, non une déesse inaccessible. La reine n'a plus 15 ans, elle a déjà enfanté à 7 reprises. Dans cette salle spectaculaire du musée, sont rassemblés dans ces vitrines les bustes de la famille royale trouvés à Amarna. On y découvre Akhenaton, Néfertiti, leur fils Toutankhaton, le petit dernier de la fratrie, et leurs filles, les princesses tellement présentes. Regardez à ce sujet un détail surprenant, la forme toute particulière du crâne de ces jeunes filles, ovoïdes comme un œuf, qui leur donne presque l'air de véritables aliens. On en a évidemment cherché la raison. Les conséquences d'une coutume toute africaine, peut-être, qui consistait à bander le crâne souple du nouveau-né afin de le remodeler. La découverte de momies au crâne parfait a balayé cette hypothèse. La caractéristique génétique, alors, propre à la famille du pharaon. Aucune preuve n'est venue jusqu'à ce jour attester une telle supposition. En fait, il s'agirait tout simplement d'une convention purement esthétique. Ces crânes d'œufs sont le symbole de la création, de la prime jeunesse et du lien visible de ces enfants royaux avec le ciel. La famille, mais aussi l'amour, devient au temps de Néfertiti
un véritable sacerdoce. Les femmes n'ont jamais été autant valorisées et séduisantes. Les représentations officielles ne cessent de vanter l'harmonie, la tendresse, le sentiment. On se touche, on se caresse. Mais qu'en est-il vraiment ? Fait-il aussi bon vivre à Amarna que la famille royale souhaite à tout prix le faire croire ? La vie à Akhetaton est un petit peu différente du reste de l'Égypte. On est dans une période très particulière où on va mettre davantage en avant les plaisirs de la vie, du quotidien. L'important est de profiter de chaque instant. Ces plaisirs de tous les jours sont représentés sur la plupart des murs en briques de la nouvelle capitale. Des petites scènes évocatrices qui, telles une bande dessinée, nous renseignent sur le quotidien autour du palais. On les appelle les talatates. On peut voir notamment des scènes qui se déroulent ici dans une boulangerie. Donc on a vraiment du pétrissage du pain jusqu'à son stockage et ensuite à son transport. On va avoir des scènes également avec des potiers, d'autres scènes avec des menuisiers qui vont nous permettre de mieux comprendre la vie quotidienne à l'époque d'Akhenaton. Cela dit, si on a de nombreuses représentations de la vie quotidienne, il s'agit de représentations idéologiques, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir ce qu'était réellement la vie de tous les jours, notamment des classes sociales inférieures, qui étaient loin, de toute évidence, d'être aussi idylliques que cette vie rêvée affichée par les souverains ou éventuellement aussi par les notables. L'amour, la tendresse, l'intimité entre Néfertiti et le roi est aussi affichée à maintes reprises sur les murs. Une nouveauté en ce qui concerne une reine et un roi. On voit par exemple, contre toute attente, Néfertiti approcher la main du menton de son mari, le prendre par le visage, comme si elle allait l'embrasser sur la bouche. On a plusieurs scènes, on a Akhenaton avec Néfertiti et il lui donne un baiser. L'art d'Amarna représente un couple très uni, amoureux, mais en réalité, on ne sait pas vraiment ce qui se passait. Nous ne pouvons voir aujourd'hui que ce que le couple royal a voulu mettre en avant de sa vie. Ce message s'adresse finalement à l'ensemble de l'Égypte. Soyez heureux. Soyez heureux puisque nous le sommes. Donc nous vous donnons le bonheur. Ce bonheur passe par le culte d'Aton. Priez Aton, vous serez heureux. 7 enfants naissent de cette union apparemment sans nuages, dont 6 petites filles, qui portent tout un prénom en relation avec le dieu Aton. Des enfants maintes fois représentés aux côtés de leurs parents. On les voit en permanence dans des scènes de vie quotidienne, très tendres par ailleurs. On voit les deux parents avec leurs petites filles, on voit Néfertiti tenir l'une de ses enfants dans les bras, comme un petit bébé qu'elle berce. On a l'impression de pouvoir accéder vraiment à leur quotidien et on sentirait presque l'amour qui règne dans cette famille. Toutes les princesses sont toutes représentées avec la même coiffure. Les cheveux sont rassemblés sur le côté en forme de couette ou de tresse qui pend. Jusqu'alors, c'était plutôt les princes qui portaient cette mèche. Mais dans un premier temps, Akhenaton et Néfertiti n'ont que des filles. Donc les filles sont considérées ici un petit peu comme des princes, d'où cette mèche qui les désigne comme des héritiers légitimes. Des princesses considérées à l'égal d'un héritier, une souveraine, Néfertiti, aussi puissante que son époux, la place des femmes en Égypte reste un cas unique dans l'Antiquité. Ce qui fait la spécificité de l'Égypte, c'est que le statut des femmes y est particulièrement moderne pour l'époque. On est en 1300 avant Jésus-Christ et les femmes jouissent d'une certaine liberté. Elles peuvent choisir leur mari, elles peuvent divorcer, elles peuvent travailler pour la majorité d'entre elles. Donc elles ont un statut qui est très différent du reste de ce qu'on trouve à l'époque. Mais elles sont quand même dans une position inférieure à leur mari parce qu'elles ont un devoir absolu de fidélité. La femme infidèle peut être condamnée à mort. Et les hommes, eux, les hommes complices d'adultère, pouvaient être jetés au crocodile. Donc encore une fois, ce sont des punitions extrêmement graves. Mais la plupart du temps, en cas d'adultère, tout se finissait par un divorce. Si la fidélité est de mise, érotisme et fantasme font aussi partie de la vie quotidienne des Égyptiens à Amarna.
Ce qui est tout à fait remarquable à l'époque d'Akhenaton, c'est les costumes des femmes, où on voit très très bien que la sensualité est mise en exergue, hein, elle est exaltée. Les femmes ont des formes très très généreuses et elles sont vêtues de voiles extrêmement légers. De manière générale, la religion d'Aton est assez optimiste. On jouit des plaisirs du quotidien et l'érotisme est naturellement présent. D'ailleurs, les Égyptiens avaient cette jolie expression qui disait « faire un jour heureux » pour dire qu'on avait fait l'amour. On possède un certain nombre de documents érotiques, pornographiques, même égyptiens, comme le fameux papyrus de Turin, qui représente des scènes parfois très acrobatiques. Avec des partenaires masculins qui sont assez difformes et avec des attributs sexuels hypertrophiés, et des femmes qui ont toujours l'air un petit peu passives. C'est plutôt des fantasmes qui sont représentés. Hein. Cela dit, la sexualité est très très présente hein, dans les mythes, dans la religion égyptienne, le plaisir féminin est évoqué, mais il est quand même toujours lié à la procréation, c'est-à-dire que l'érotisme est lié quand même, c'est pour faire des enfants. Si procréer est une finalité, il existe néanmoins de nombreux moyens de contraception. Il y avait notamment des pessaires, donc des sortes de tampons médicaux, qui étaient insérés au fond du vagin et qui contenaient plusieurs produits destinés à empêcher la conception. On trouvait notamment dans ces pessaires de la crotte de crocodile, riche en vitamine E et A, avec des propriétés hydratantes, mais surtout du miel qui empêchait la progression des spermatozoïdes. La contraception n'est pratiquée que par les pauvres, ceux qui ne peuvent pas assurer la subsistance d'enfants. Cela dit, Néfertiti n'a pas recours à la contraception puisque son but, c'est de tout faire pour avoir le maximum de maternité et d'enfants possible. Incarnation d'Aton, déesse sur Terre, Néfertiti se doit aussi d'être la plus belle. L'hygiène et les soins apportés à son corps font partie d'un véritable rituel, à l'égal de celui rendu au disque solaire. Elle va se laver, accroupie sur une natte de jonc, ses servantes autour d'elle pour lui verser de l'eau sur le corps, un peu comme nos douches actuelles. Et cette eau est mêlée à du natron, qui est un minéral donc composé entre autres de bicarbonate de sodium, qui permet d'éclaircir la peau. Néfertiti, cette reine du sud, avec cette peau un peu sombre, va chercher à clarifier son teint par cette eau mélangée au natron. Les dents sont en très bon état chez les Égyptiens, c'est ce qu'on constate en tous les cas sur les momies. Donc les Égyptiens prennent grand soin de leur dentition, tout d'abord avec des bâtonnets un peu comme celui-ci, qui permet d'enlever, si vous voulez, tous les aliments qui auraient pu rester dans les dents, et ensuite par un brossage minutieux et un rinçage avec de l'eau mêlée à du natron pour blanchir les dents. Hormis la propreté, l'obsession de la reine, mais aussi de tous les Égyptiens, est l'élimination quotidienne du poil. Le poil rappelle l'animalité et qu'il est nécessaire de s'en éloigner pour être un humain. Donc, les Égyptiens vont pratiquer l'épilation de manière intensive. Et plus on est dans les hautes couches sociales, plus on la pratique, à tel point qu'on n'a plus un seul poil sur le corps, on s'épile intégralement. Il s'agit vraiment d'éliminer les poils, moyen de pince à épiler, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les tombeaux des nobles de l'époque. Alors pour des raisons autant esthétiques qu'hygiéniques, puisqu'il s'agit d'éviter les poux et les parasites. Et puis, on porte des perruques, hein, puisque le crâne est rasé. Des perruques souvent assez larges pour se protéger du soleil. Hein. Ça remplaçait les chapeaux d'une certaine manière. Donc ces perruques étaient de très belle qualité dans l'aristocratie, souvent faites de cheveux naturels. Et dans les plus basses couches sociales, on trouvait également des perruques dans d'autres matières, comme de la laine ou du crin de cheval. Donc, lorsque une femme veut séduire, elle met sa perruque. Pour plaire, les yeux et les sourcils sont aussi mis en valeur. Maquillée, le regard s'allonge à l'infini, comme un miroir des dieux. L'incontournable du maquillage de Néfertiti, c'est cette technique ancestrale du kohl. Il s'agissait de se protéger à la fois du sable et du soleil. N'oublions pas que tout est épilé, donc l'œil est à nu. Donc le kohl permet de faire une sorte de lunette de soleil, si vous voulez, puisque cet épais trait noir protégeait des rayons du soleil la pupille. Et puis aussi, ça permettait
comme c'était un antiseptique, d'agir comme un collyr contre d'éventuelles saletés qui pourraient se mettre dans l'œil. Alors, on posait également du fard qui était de couleur bleue, parce que le bleu était une couleur très positive, la couleur de l'éternité, de l'immortalité et donc de la divinité. Les objets liés à la beauté dont dispose la reine et les riches égyptiennes sont multiples. Miroirs sculptés, peignes délicats, peaux à onguents finement décorées. Raffinés, ils font partie pourtant du quotidien. L'un des plus évocateurs se trouve exposé au musée du Louvre. Une cuillère à phare en forme de canard, présentée par une nageuse délicate et sensuelle. L'esthétique est quelque chose de fondamental dans la culture égyptienne. C'est même beaucoup plus prégnant que dans d'autres cultures de la même époque. Ça fait vraiment partie du quotidien. C'est une nécessité d'être beau et de prendre soin de soi. Et ça a aussi une dimension religieuse, parce qu'il est nécessaire de garder un beau corps en bonne forme en vue de le conserver symboliquement dans la vie après la mort. Aimant la vie et ses plaisirs, les Égyptiens de l'Antiquité sont pourtant obsédés par la mort et passent une grande partie de leur existence à la préparer. Tout doit être fait pour qu'ils puissent renaître dans l'au-delà en toute tranquillité. Et surtout, sans perdre au change, ils appellent joliment ce paradis le pays des bienheureux. Tout un programme. Pour cette renaissance tant attendue, le corps du défunt se doit d'être intact. Les principes d'embaumement sont là pour l'y aider. Mais il ne s'agit pas pour lui de renaître pour autant nu comme un ver, débarrassé de ses biens terrestres, puisqu'il s'entoure dans sa tombe de toutes ses richesses et même de nourriture. Qu'on se le dise, un Égyptien mort, même renaissant, a faim. Laissez-moi à présent vous présenter un objet inestimable conservé au musée du Louvre. Une sorte de coffre en bois à couvercle trouvé près d'un sarcophage. Il ne renfermait pas des objets précieux ou des bijoux, puisqu'on y rangeait de petites statuettes comme celle-ci au nom imprononçable, un Shawabti, le personnel d'une maison ou d'un palais en fait, en miniature, susceptible de continuer à vous servir dans l'au-delà. Tenter de renaître intact avec de quoi se nourrir, oui, mais il ne s'agissait pas également de perdre ses privilèges d'un monde à l'autre. La scène peinte sur ce coffre illustre ce qui s'apparente pour les Égyptiens de l'époque au jugement dernier. Le passage devant le grand tribunal d'Osiris que l'on voit ici à gauche. Un rituel qui consiste à peser le cœur du défunt. Regardez cette balance. Si l'équilibre se fait entre une plume d'autruche posée sur un plateau et le cœur dans l'autre, eh bien, le mort est sauvé. Il peut entrer dans l'immortalité. Mais si par malchance, la balance penche de l'autre côté, témoignant de sa bassesse, le cœur est jeté dans une bouche béante. Celle de la dévoreuse, c'est son nom. Un monstre hideux mélange de lion, de crocodile et d'hippopotame, pour les Égyptiens, les trois animaux les plus effrayants sur la Terre. Comme tous leurs ancêtres avant eux, Néfertiti et son époux Akhenaton ont préparé avec soin leur passage vers l'au-delà. Mais ils doivent, avant cette immortalité espérée, faire face à de nombreux drames que les rayons d'Aton ne suffisent pas à atténuer. La joie à Amarna fait place à la douleur et aux larmes. La fin du règne de Néfertiti et d'Akhenaton est hélas frappée par une série de décès qui affectent la famille royale. Trois des six petites princesses vont mourir, certainement en couche et peut-être évidemment de maladie. Et là, le chagrin du couple royal est immense. Ces enfants royaux vont être enterrés, on le sait, dans des appartements parallèles à la tombe royale à Amarna, sur le site d'Amarna, où on va creuser des galeries particulières pour pouvoir les accueillir.
des fresques abîmées, mais toujours présentes dans le caveau aménagé par le couple royal, éternisent ce moment douloureux. Celui de la perte d'un enfant, le chagrin inconsolable. Alors, ce relief représente en fait le couple royal Akhenaton et Néfertiti dans une scène de deuil. On peut voir ici qu'ils sont tous les deux représentés penchés. On voit mieux ici l'image de Néfertiti avec sa coiffure bien spécifique. Et face à eux, on a ce lit sur lequel était allongé le corps d'une de leurs petites filles. C'est la première fois que l'on va voir vraiment le couple royal afficher le deuil, ainsi que l'ensemble de la famille royale. Le chagrin de Néfertiti éclate à la vue de toute l'Égypte. Oui, moi, déesse, je pleure la disparition de mes filles. Voir pleurer un pharaon, voir pleurer une reine en Égypte, on l'a jamais vu. Autre pilier familial qui disparaît à la même époque, la reine-mère Tilly. Une nouvelle peine immense dans le cœur d'Akhenaton et de Néfertiti. Elle aussi est inhumée dans le caveau royal d'Amarna. Cette épidémie de décès est tout à fait surprenante. Les fouilles du site d'Amarna montrent qu'il y avait un taux de mortalité très important et des indices convergents montrent que la peste sévissait à Amarna. Ça n'a pas évidemment servi à Akhenaton. Ces décès sont catastrophiques. Bon, à la rigueur, la reine Ti a plus de 60 ans. Pourquoi pas, mais enfin, les trois princesses sont très jeunes. Elles sont censées être protégées par Aton, qui est présent dans leur nom. Donc, c'est une sorte de démenti en contradiction totale avec l'idéologie officielle. Ça ne peut être ressenti que comme, je dirais, une sorte de punition divine. Et les dieux qui ont été délaissés peuvent être imaginés comme ceux qui cherchent à se venger. Pour enrayer ces épidémies de peste divine, les médecins égyptiens sont totalement impuissants. Leur savoir-faire est pourtant réputé dans tout le Moyen-Orient. Il y a une médecine égyptienne à l'époque qui est très développée. Un certain nombre de prêtres, notamment, sont des prêtres médecins. Souvent, les diagnostics sont bons, c'est-à-dire qu'il y a une assez bonne connaissance du corps humain, mais les remèdes qui sont proposés sont parfois complètement délirants. On utilise beaucoup les excréments des animaux, le bouse d'hippopotame, les chiures de mouche, ou les excréments de crocodile aussi, enfin, qu'on applique sur les plaies, ce qui devait les surinfecter. Les Égyptiens pensaient que cet élément négatif allait fonctionner comme un aimant et attirer vers l'extérieur du corps les souffles négatifs qui perturbaient l'équilibre de ce corps. Hormis ces remèdes peu ragoûtants, la méconnaissance du rôle des principaux organes humains rend bien aléatoire la pratique de la médecine. Par exemple, elle nie complètement le cerveau. Le cerveau n'existe pas. Dans les deux oreilles, il n'y a rien, du vide. En revanche, le cœur est le centre de tout. Il est le centre de l'âme, il est le centre de la conscience, il est le centre des émotions. C'est le cœur, finalement, qui permet à l'ensemble de l'être humain de vivre, de respirer, de souffrir, d'être heureux, et ainsi de suite. Et puis, on voit pas trop la différence aussi entre la médecine et la magie. Souvent, malheureusement, le malade décède. Depuis le début de l'Antiquité égyptienne, rois et reines ont pris l'habitude de se construire des nécropoles en forme de pyramide, le symbole de l'élévation de l'âme vers le ciel. Pourtant, à la 18e dynastie, celle des ancêtres d'Akhenaton, tout change. On a remplacé les pyramides par des appartements funéraires souterrains qu'on appelle les hypogées, avec des galeries, des chambres funéraires, sans doute pour que ce soit aussi peut-être un peu plus discret, pour éviter les pillages, parce qu'il y a des pilleurs de tombes dès l'Antiquité. On va investir ce qui va devenir la célèbre Vallée des Rois, qui est une vallée au pied d'une montagne qui ressemble à une pyramide naturelle, où chaque souverain va aller faire creuser une tombe qui s'enfonce profondément dans cette vallée. L'idée est de se cacher à l'intérieur de la montagne, qui est plus ou moins divinisée, associée à la déesse Hathor.
À l'image de leur rupture spirituelle, Akhenaton et sa très belle épouse Néfertiti choisissent d'abandonner cette vallée des rois proche de Thèbes. De nouvelles nécropoles sont creusées près d'Amarna, celle de la famille royale, mais aussi celle de riches dignitaires au service du roi. Un changement radical qui ne touche pourtant pas l'un des rites funéraires ancestrales, la momification. Pour renaître dans l'au-delà, pour accéder au paradis, il faut absolument conserver le cadavre en bon état. C'est ce qui explique ce rituel de la momification si important pour les Égyptiens. Les prêtres commencent par laver le corps, par l'épiler. Ensuite, ils vont enlever les différents organes du corps, en commençant par le cerveau. On retirait le cerveau par le nez en enfonçant des crochets en bronze par les narines, qu'on faisait sans doute tourner sur eux-mêmes pour réduire le cerveau en bouillie. Les embaumeurs vont ensuite ouvrir l'abdomen du côté gauche pour retirer les viscères, l'estomac, les poumons, le foie et les intestins. Le cœur, lui, reste en place. Une fois que les embaumeurs ont retiré les viscères, ils les déposeront dans des vases qu'on appelle les vases canopes. Ensuite, le cadavre était placé dans un bain de natron, c'est-à-dire en gros un bain de sel, pour le dessécher. Cette opération réalisée, les embaumeurs vont procéder au bandelettage de la momie. Entre les bandelettes, les embaumeurs glissent des amulettes protectrices qui auront pour rôle de veiller sur le défunt. La tête de cette momie montre qu'après moult tâtonnements, les Égyptiens étaient parvenus à un degré de sophistication pour momifier les défunts assez étonnante. On a presque l'impression qu'elle va se lever et marcher. Long et coûteux, ces rituels ne sont réalisés que pour les plus riches ou la famille royale. Il y a une inégalité sociale totale en Égypte, dans la vie et aussi face à la mort. Les pharaons ont plusieurs sarcophages successifs, des sarcophages en bois doré, voire des sarcophages en or massif. Ensuite, ces sarcophages emboîtés les uns dans les autres étaient placés dans une cuve en pierre. Indestructibles, les sarcophages sont souvent gravés de légendes des dieux, comme celui du pharaon Amenhotep II, arrière-grand-père d'Akhenaton, inhumé dans la vallée des rois. La momie, placée donc dans ces cercueils emboîtés les uns dans les autres, est accompagnée de tout un mobilier funéraire. Le fait d'entourer le mort de ces objets fétiches fait en sorte que dans l'au-delà, l'âme immortelle continuera de vivre entourée des objets familiers comme si l'individu était encore vivant. L'objectif des pratiques funéraires égyptiennes était de dupliquer en fait les plaisirs de l'ici-bas, ce qui montre très bien que les Égyptiens n'étaient pas des êtres morbides obsédés par la mort, mais plutôt obsédés par l'idée de continuer les bienfaits de la vie ici-bas. Un voyage vers l'au-delà qui évolue beaucoup avec le nouveau dieu Aton, adoré par Néfertiti et son époux. Fini la vie éternelle bienheureuse, fini le paradis à l'image d'une campagne idéale. Le pharaon n'est plus associé à Osiris, le dieu des morts, assisté d'Anubis. Il ne peut plus prétendre à l'immortalité. Nous sommes dans une chapelle d'Anubis. Anubis, qui est un dieu funéraire à tête de chien. Le dieu Osiris, le dieu Anubis, toutes ces divinités qui favorisaient la renaissance du mort vont disparaître. Désormais, les croyances funéraires se déroulent autour d'Aton. L'immortalité est remplacée par la survivance dans la mémoire des vivants, toutes dédiées au culte du disque solaire et à sa lumière.
Cette simplification des représentations de la mort pour les Égyptiens a dû leur apparaître comme un véritable appauvrissement. Les Égyptiens commençaient à douter. C'est trop intellectuel, c'est trop lointain, et surtout c'est trop étranger à leur véritable foi, et je dirais surtout à leur véritable caractère. Alors que le peuple est en proie à toutes les incertitudes, 2 ans après le décès de ses 3 filles, Néfertiti s'efface soudainement de la cour et de la vie de son époux. Néfertiti est attestée jusqu'en l'an 16, c'est-à-dire la dernière année du règne d'Amenhotep IV Akhenaton, et puis elle disparaît complètement de notre documentation. A-t-elle été victime de la peste ? Mystère. Est-elle morte parce qu'elle a été assassinée, je dirais, dans le cadre d'un complot ou d'une vengeance ? Mystère. Est-elle morte en couche ? Il s'agit encore d'une jeune femme ? Mystère. Ce que l'on sait, c'est qu'en effet, elle disparaît complètement de la scène publique. Elle a alors 26 ou 27 ans. Akhenaton va alors épouser sa propre fille Meritaton, qui a 12-13 ans et qui devient grande épouse royale pendant quelques mois seulement, puisque lui aussi meurt en l'an 17, quelques mois seulement après Néfertiti. À la mort du pharaon, c'est sa fille et grande épouse Meritaton qui lui succède. Un règne de courte durée, puisqu'elle disparaît à son tour 3 ans plus tard. C'est alors au tour de son jeune frère de monter sur le trône, un enfant roi de 9 ans, du nom de Toutankhaton. C'est le dernier enfant, on le sait maintenant, du couple royal d'Akhenaton et de Néfertiti. Il est conseillé par Haï, le père très vraisemblablement de Néfertiti. Et Haï, sans trop de scrupules, manifestement, dit le désordre produit considérable par le défunt pharaon, maintenant ça suffit. On va revenir aux croyances, aux coutumes ancestrales, et on va redonner à Amon et à l'ensemble des dieux de l'Égypte la place qui leur revient de droit, c'est-à-dire la première. Progressivement, cette influence va considérablement détourner ce petit pharaon des dieux de ses parents. Et Toutankhaton devient progressivement et définitivement Toutankhamon. Il va revenir donc à la résidence royale autour du site de Thèbes, dans l'actuel Louxor, où se trouve le fief du dieu Amon, et assez naturellement va décider de se faire enterrer dans la vallée des rois, mais aussi de faire réenterrer les membres de sa famille dans cette vallée des rois. C'est un geste qui finalement s'adresse à l'Égypte entière. Je veux renouer avec les coutumes, je veux renouer avec les rites. Il va falloir faire en sorte que cette parenthèse, auquel on ne comprend plus rien, s'efface progressivement de la mémoire des hommes. C'est donc dans la vallée des rois, dans un tombeau de fortune, que le jeune pharaon Toutankhamon inhume à nouveau son père. Une nécropole appelée aujourd'hui KV-55. La tombe KV-55 a été découverte en 1907, avec à l'intérieur un sarcophage en partie mutilé et à l'intérieur de ce cercueil, une momie, en fait, des restes osseux d'Akhenaton. Très curieusement, tous les noms royaux ont été mutilés. Donc on a enterré un roi et ensuite on a enlevé son nom. Il est ce pharaon hérétique, ce pharaon qu'il faut effacer de la mémoire des hommes, l'homme qui a osé s'opposer aux dieux et l'homme qui, je vais le dire dans des mots quotidiens, modernes, brûle en enfer. Si l'on découvre que Néfertiti est à plusieurs reprises représentée sur le sarcophage royal de son époux, on ne trouve aucune trace de sa dépouille. À 100 de mètres, une autre tombe, bien mystérieuse, se révèle riche en révélations. Il s'agit de celle de l'arrière-grand-père d'Akhenaton, le pharaon Amenhotep II. Dans la chambre funéraire d'Amenhotep II, il y a
Amenhotep II dans son sarcophage, et deux pièces qui sont scellées, deux pièces annexes de la tombe, avec d'un côté six momies de rois, et de l'autre côté trois momies anonymes, une momie de femme âgée, une momie de jeune femme et une momie de prince. Ces deux momies de femmes étaient alignées l'une à côté de l'autre. Celle qui paraît la plus âgée a une longue chevelure parfaitement conservée, splendide, tandis que l'autre a le crâne rasé. Par ailleurs, elle a subi des dommages post-mortem qui l'ont en partie défigurée, puisqu'elle a une partie de la mâchoire qui a été arrachée. On savait que c'était des momies royales, mais leur attribution était incertaine, puisqu'il n'y a pas d'inscription en général qui accompagne ces momies et qui nous permettent de les identifier. Récemment, des analyses ADN ont été faites sur ces momies qui ont permis d'identifier la femme âgée comme la reine Tilly. Et la jeune femme comme la mère de Toutankhamon, une parente très proche d'Akhenaton, sa cousine Néfertiti. Lorsqu'on découvre la momie de Néfertiti, le choc est immense. On ne peut pas s'empêcher de penser que l'on contemple ce qu'il reste de celle qui fut la plus belle femme de l'Antiquité. Une beauté aujourd'hui évanouie, des noms qui font rêver. Il reste peu de choses de Néfertiti et de son époux Akhenaton. Si ce n'est peut-être leur désir insensé de changer un monde dont ils avaient hérité au nom d'une intuition. Cet extraordinaire, exceptionnel, parenthèse, n'est qu'un rêve. Ce rêve, progressivement, sera laminé par le sable du désert qui va recouvrir cette vision de deux êtres vivants, qui va recouvrir cet extraordinaire projet monothéiste. De ce rêve, de cette parenthèse incroyable et inspirée, si lumineuse, il ne reste que des ruines, encore visibles aujourd'hui à Armana. Que reste-t-il de ces 17 années de règne révolutionnaire? Une cité grandiose, comme l'Égypte n'en avait jamais connue, sortie des sables et redevenue poussière. Une tentative de bouger des traditions ancestrales, celle du culte des dieux, celle de l'immortalité, l'idée que rien n'est vérité, même les croyances les plus anciennes. Le culte de la personnalité du couple royal aussi, que le grand Ramsès II, deux siècles plus tard, reprendra à son compte en bâtissant le magnifique Abou Simbel. Un art amarnien enfin, si fin et si fort que sa spiritualité nous bouleverse encore. Et cette merveille de modernité, ce buste fascinant, celui d'une reine qui nous observe comme elle regardait son peuple il y a plus de 3500 ans, de son air serein rempli de grâce et de certitude. L'assurance de se savoir pour des siècles et des siècles la plus belle d'entre les belles, Néfertiti, mystérieuse et inaccessible reine d'Égypte. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.